je sais. Oh, tu crois. Pour être d'originalité. Hein. Si, si, mais j'y avais déjà. Oh, putain, ils m'ont vu, je pense. Bonjour. Non, non, il a pas un. Attends. Ils sont là, les poulets. Ah ouais, viens. Vous avez un problème, monsieur? Je prends mon permis de conduire au cas où on doit s'échapper. Oh merde, ils m'ont arrêté. Sérieux? What? Mais comment ils ont fait? Pour les sirènes. Et pourquoi ils t'ont arrêté? Voilà, merci de me laisser tranquille. Non, ils t'ont arrêté, ils te fouillent, je pense. Ouais, je sais pas. Je me suis démenotté. Ah, c'est là. Monsieur, restez ici, monsieur, on en a pas terminé avec vous. Ah d'accord. Alors, ça vous amuse? Qu'est-ce qu'il y a? Ça vous amuse de rester en plein milieu de l'allée et de faire le bruit du poulet quand on passe? Non mais monsieur, ce n'était pas moi. Hein. Moi, je me suis fait renverser par une voiture. Ah oui. Et alors, à qui c'était? Si ce n'était pas vous qui êtes en plein milieu de la route. Hein. J'en sais rien, il y a un tas de personnes ici. Ah bah voilà. Moi je trouve... Vas-y, il y a un cum par terre là, c'est quoi ce délire? On le voit par terre. Oh, il dort ou quoi, monsieur? Dans le poulet. Ah, il dit à quelqu'un d'autre, à Tormo, il dit. Moi? Moi? Attends, okay. Je me suis... C'est pas moi, je vais l'arriver. Attends, regarde. Oh, non mais là on sait flac que c'est toi mec. Voilà, c'est pas moi. Je sais pas qui. Moi je suis y'a un truc là qui fait du bruit de poule là. T'es con. Ouais. Mais mec mais. Attends mais moi y'a un problème. Vas-y, qu'est-ce qu'il a lui? Il a des bites dans le cul. Je vais pas revirer, ça veut dire rien dire ce que. Ah mais je crois que je sais. Regarde monsieur, il a les doigts qui sortent du cul. Attends mais je crois que je sais pourquoi y'a un problème de synchronisation, putain merde. Ah ça va, c'est un ami à moi, qu'est-ce qui a reculé? Je m'inquiète pour le sort de mon... Laissez-moi, je suis une âme égarée. Putain mais laissez-moi. Oh tu clignotes maintenant copain, il n'y a plus que ton chapeau. Reste avec moi mec. Je crois qu'il va falloir que je quitte le jeu et revienne parce qu'en fait c'est le logiciel qui fait bugger. Bon écoutez monsieur Jet là, ça suffit maintenant. C'est mon ami, vous comprenez pas, j'ai peur pour lui. Vas-y, laisse-moi, t'inquiète. La police, je gère, t'inquiète mon gars. Reste avec moi. Attends, mais je m'enfuis moi. Si je sais que vous me rattrapez, ça va être très difficile. Non, tu peux fouiller avec le sac. Fouille le sac d'un policier. Ouais, bah oui, si tu crois que je suis en train de faire quoi. Celui qui est en train de regarder le mec en haut. Ouais. Bah oui, lui. Attends, il a une trousse à outils, je crois. Merde. Okay, merde, mais oui, il me voit. Putain, je me suis fait taser à cause de toi. J'étais invisible. Dans le sac à dos des policiers. Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Je reviens dans 5 minutes là-haut. Attends, putain, lâche-moi. Ça te plaît de fouiller dans les sacs à dos des policiers, toi? Non, mais j'ai pas fait exprès. Jeune à la police maintenant. Vous rien à voir dans l'histoire, là, vous reculez, s'il vous plaît. D'accord, bah détachez-moi, je recule et je m'en vais. Putain, mais je te vois encore téléporter. Non, mais moi, c'était juste pour voir si mon problème de synchronisation était réglé. Je vois qu'il est réglé, maintenant je peux m'en aller. C'est quoi le coup de ça? J'ai fait la même chose que toi. Toi aussi là, ça t'amuse? Non mais, moi monsieur je n'ai rien à voir avec cet homme, je voudrais partir. Putain. Mais quoi, mais j'ai rien fait moi monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Oh vas-y, toi, tu me vois, t'es trop fort. Alors, les deux là. Non, moi j'avais juste un problème de synchronisation. Vous êtes tous témoins. La police fait des erreurs. Saute-toi là-haut, suscite-toi parce qu'il y a des policiers malfrats. Attends. Tu veux pas lui tomber sur la gueule là, au mec? Ah, monsieur Azerpro. Si, saute. Vise monsieur Azerpro. Saute, personne ne t'aime, ta vie pue la merde. En plus, t'es moche, hein. Ah, vraiment, la vie ne t'a pas gâté, tu n'as plus qu'à sauter. Vas-y, c'est un magicien, il s'est transformé à poil. Oh, regarde le cadavre, il s'enterre. Bon,
On peut s'en aller maintenant que le gars est mort. Bon, vous deux, par contre, vous allez en prison un petit moment. Vous deux, vous allez... Bon, monsieur, c'est ridicule. C'est une erreur, monsieur, c'est inadmissible. Je pense que vous faites une erreur judiciaire. Des policiers, hein, ça suffit. Mais j'avais un problème de synchronisation, monsieur. Vous saviez très bien, tout le monde me voyait par terre. Ton problème de synchronisation, tu fouilles dans mon sac. Putain, bah, et comme ça, je suis sûr que j'en ai plus maintenant. Ouais, c'est ça. Mais il y avait, mais il y avait rien dans votre sac. Le mec qui fait ses aveux, quoi. Il y a des choses dans mon sac. Il t'a mis en prison ou pas? Bah voilà, donc j'ai pas fouillé dedans si j'ai rien vu. Il t'a mis en prison ou pas? Non, non, je sais pas, il me met en prison. Mais moi je bouge pas, ça fait chier, j'ai rien à foutre. Quelqu'un me libère ou me met en prison, au choix, je sais pas, ce que vous voulez. Non frère, pas la prison. Mais faites quelque chose là, qu'on puisse enfin... Comment? Monsieur là derrière, vous pouvez me libérer? D'accord, merci monsieur. Arrêtez de parler en même temps que moi, je vais m'énerver. Mais moi il va me mettre en prison, toi il t'a libéré? Oh putain, 4000! Ah ouais, quand bonjour, même. On m'a fouillé dans mon sac. Si, non, je me suis mis derrière lui effectivement. Mais si, j'étais là, il a fouillé. Oh connard. Mais comment vous pouvez savoir? De toute façon, j'ai fouillé dans son sac. J'étais en train de faire mon inventaire. Il a fouillé, moi j'étais là. Mais ça sert à rien, je regardais mon inventaire, on peut pas regarder son inventaire. Non, pas derrière un policier. Et arrêtez de nous prendre pour des idiots. Mais on vous prend pas pour des idiots, c'est vous qui êtes complètement parano, les gars. Moi je vais vite m'en aller. T'es où? Ah, c'est mon chauffeur. Allez l'aider, monsieur l'agent, les pauvres. Allez l'aider plutôt qu'arrêter un innocent. C'est mieux, hein, franchement, vous vous sentirez mieux ce soir en vous couchant. Je suis honnête, hein. Oh putain, mais moi je suis toujours en... Puis je me casse. Oh putain. Ils vont t'as... Je coule dans le sol, messieurs les policiers, je suis en train de mourir. Putain merde, qu'est-ce que... Attends, faut que je lui tue. Qu'est-ce qui s'est passé au juste, monsieur? Pourquoi je suis dans le sol? Le béton était encore frais. Putain, en plus il t'a eu, quoi. Bonjour camarade. Putain mais mec je... Putain mec je vais... il va me mettre en prison à vie. Bah là ouais. Oh putain merde. Donc monsieur Zico, je vous arrête pour avoir assassiné un policier. Je plaide homicide involontaire s'il vous plaît. D'ailleurs dans les règles du travail on n'avait pas le droit du tout. Mais c'est une erreur de conduite. C'est pas volontaire, c'est homicide involontaire. Je ne pense pas. Bah vous... Mais pourquoi je l'aurais tué? J'ai aucune raison de le tuer, monsieur. Je parle des règles du serveur, là, d'accord? Oui. Mais tu peux te faire ban, là, par contre, en fait. C'est sur les règles du serveur. Dans le dos, en plus, hein. Ah, j'étais bon, par contre, toi, tu t'en vas si t'as rien à faire ici. Ouais, ok, je m'en vais, au revoir. Donc vous avez le droit d'arrêter les personnes innocentes pour rien, en fait. Mec, je me suis enfui. Comment t'as fait? T'as appuyé sur V? Ouais. Ça marche pas, mais... Ah, il me tire dessus. Vite. Et moi les gars? Toi va crever, toi. Putain. Mec, j'ai réussi à m'enfuir. Eh ben pas trop tôt. En fait, tu sais, c'est le gars que j'ai tué qui m'a libéré. Vous l'avez eu ou pas? Merde. Il va pas tarder à me rejoindre, mais je sais pas, moi, vous êtes bien rationnel, radical pour ça en fait. Juste parce que je fouille dans mon inventaire, vous allez me mettre en prison. Ah non, pas du tout, mais bon, c'est pas grave. La prochaine fois, je ferai attention qu'il n'y ait pas de flic à 3 km pendant que je fouille dans mon sac. T'es vraiment un suceur. Ah oui. 10 minutes. Mec, j'aurais le seum, moi j'ai buté un flic et je suis parti. Ouais, grave. Mais je comprends pas pourquoi il m'a libéré. Tu verras, mec, sur la vidéo, il arrive. Et genre, il fait vous n'avez rien à faire là, alors partez. C'est vrai? Mais oui! Tu l'as pas entendu? Non. Mais le mec que j'ai écrasé, tu as pas entendu? Putain, tu reverras. J'ai pas capté que c'était toi. Mais non, mais tu reverras dans la vidéo. Tu verras, genre, on est tous les deux menottés. Le mec arrive de nulle part, c'est le gars que j'ai tué. Attends, je l'ai envoyé un SMS. Non! T'es un bâtard, fais pas ça. En tout cas. Putain, tu fais ça, je t'en.
T'es un bâtard. Bah, ils savaient que c'était toi, ils t'ont tiré dessus après. Laisse-moi tranquille, parle pas de moi. J'ai trop de problèmes avec la police. En tout cas, putain, ici. Bravo au... Ah, là. Je vais me faire un ban. Police, d'arrêter un innocent. Et tu de libérer un assassin. Non mais assassin. Mais t'es un enfoiré toi un peu, non? Pourquoi? Je veux dire, oui, je l'ai vu, il a purée dans le sac. Non mais c'était trop marrant mec, j'en pouvais plus. Je rigolais trop. Je peux pas lui piquer ses armes au fusil là. Du coup comment on va faire? Va falloir s'exiler dans une autre ville. Je crois qu'à Cavala on est surfiché. Putain, moi je fais ça pour t'aider, tu m'aides. Putain, t'es un enfoiré quand même. Je l'ai tué pour toi, je voulais pas le tuer de base, hein. Je voulais juste.